commencer par des remerciements appuyés aux intervenants, bien sûr, qui, d'une part, ont tenu le temps imparti et ont pris le temps de répondre aux questions. Donc, des sincères remerciements pour les intervenants. Pour les participants qui ont réussi l'exploit de ne pas faire une seule pause dans la journée, de dîner, de déjeuner en coup de pouce et de rester jusqu'au bout. Donc là aussi, je souhaiterais vraiment vous remercier. C'est un exercice délicat de faire une journée technique et je pense que là, pour l'instant, vous avez été assez fort. Et puis, bien entendu, remercier aussi et les bureaux de l'administration centrale et les partenaires qui nous ont permis de mener cette opération, en particulier également les collègues du pôle ressources nationales des sports nature, dont une petite partie est ici, et en particulier Denis Boissière et Cyril Carrière, qui sont à ma gauche, qui de main de maître ont mené cette opération d'un point de vue du contenu, de l'animation et du respect de l'horaire. Donc le seul qui va déraper sur l'horaire, c'est moi. Voilà, je vous laisse les applaudir. Voilà, et puis côté nostalgie, c'est la 10e journée technique qu'on programme. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour la 11e et pour la 20e également, et puis pour la suite. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, je nous souhaite que ça continue. En termes d'enseignement, en ce qui concerne le réseau des sports de nature, moi ce que je note, c'est que ce réseau qui est assez ouvert, hein, on parle de sports de nature, donc bien entendu de sport, mais outre cela, de tourisme, d'environnement, de gestionnaire d'espace, de collectivité, et la liste n'est pas exhaustive. Ce réseau se nourrit de ce type d'échange. Donc franchement, je vous invite à continuer ces échanges en permanence. J'espère d'ailleurs que vous avez profité des temps informels, voire du temps formel, hein, si vous êtes assis côte à côte, du temps informel pour conforter votre réseau, pour prendre rendez-vous, pour prendre les coordonnées de vos voisins ou de vos contacts, de façon à enrichir votre façon de travailler. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est que ce travail partagé autour des sports nature, il tient au fait, d'une part, de se comprendre et de se connaître. Donc on a besoin de ces temps d'échange. La question, ce n'est pas celle de la production à très court terme. Je pense, par contre, on construit ou on entretient une intelligence collective. Et en disant ça, je me tourne vers Jean-Pierre Bouchou, qui est un père pour nous, puisque le ministère, personne n'ignore que le ministère est présent sur le champ du plein air et des sports nature depuis aussi longtemps qu'il existe. Et donc, je pense qu'on a une lourde responsabilité, c'est d'entretenir cet état d'esprit. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous, je n'ai pas fini pourtant, je vous donne rendez-vous pour les prochaines journées techniques. La prochaine, c'est le 20 juin, et donc un des organisateurs étant dans la salle, Quentin, là-bas, présent. J'espère qu'il nous trouvera, j'ai aucun doute sur le fait qu'avec les collègues de Limoges, on aura une prestation de très haute qualité également. Et puis, au mois de septembre, vous avez rendez-vous en Espagne pour les rencontres nationales du sport, dans les rencontres européennes du tourisme et des loisirs sportifs de nature, tout est là-dedans. Hein, donc gardez le programme, y compris les coordonnées pour s'inscrire à la veille juridique, etc., dont vient de nous parler Maxime. Merci également Maxime. En ce qui concerne le sujet traité aujourd'hui, bien sûr, le résumé c'est impossible, moi je retiens quand même deux choses. Accompagner le changement, réduire l'hétérogénéité. Accompagner le changement, ça passe par le fait de s'informer mutuellement, l'évolution des décrets, l'évolution de la réglementation, etc. Et je pense que là, on a une responsabilité d'information envers vous. On essaye d'assumer ce travail du mieux qu'on peut, y compris avec une veille juridique et une lettre mensuelle à laquelle je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ça passe aussi, réduire l'hétérogénéité, par le fait de partager les bonnes pratiques. Ça passe par le fait d'avoir des questions et d'y répondre. Et donc là, il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc celle-ci, je la lis. Non pas pour y répondre, juste pour dire qu'on en a gardé sous le coude. Pourquoi pas d'harmonisation nationale sur les manifestations sportives? Un ministère ne devrait-il pas être pilote sur ce sujet? Si, peut-être. Donc, en fait, il reste des questions d'actualité. Alors, il en reste d'autant plus que la journée technique ne peut pas être exhaustive. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas traité de sport aérien. Ce n'est pas parce qu'on n'apprécie pas les sports aériens ou qu'on considère qu'ils ne sont pas dans le champ des sports nature. C'est qu'à un moment, on a fait des choix. Et donc, on a renoncé à la présence des sports aériens. On prendra donc rendez-vous pour une prochaine journée technique pour les traiter. Dans les questions d'actualité, j'en retiens trois, parce que je les ai notées. Je peux comprendre que quelqu'un d'autre n'aurait pas pris cet ordre-là, ça ne me dérange pas. La première question que j'ai retenue, c'est celle du traitement quand la manifestation aura lieu sur une seule commune. Comment est-ce qu'on va faire? Avec quels moyens? Comment est-ce qu'on va échanger, etc. Je pense que là, il nous reste à construire quelque chose ensemble. La deuxième question que j'ai relevée, c'est celle de la mise à jour des dispositifs. Comment est-ce qu'on s'y prend si jamais l'évolution de la réglementation amène à modifier, j'ai entendu parler, des listes
Natura 2000. Bon, voilà. Et là, il nous reste encore un petit peu de chantier. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre ça à jour? Et puis la troisième question, j'ai compris qu'elle revenait assez fréquemment. C'est quand est-ce qu'on passe à une démarche unique, un outil qui facilite l'instruction des déclarations de manifestation et si possible dématérialisé. Donc on en a eu une démonstration, on connaît la valeur de l'outil, on voit qu'il se développe. Quand est-ce que l'on passe à quelque chose qui convienne aux interrogations qu'on a entendues tout au long de la journée et qui nous permettrait d'avoir à première vue une meilleure satisfaction et des organisateurs et des services instructeurs? Pour finir, moi ce que j'en retiens après ces questions, c'est quel est le rôle que nous on a à mener en accompagnement des sports de nature. Donc j'ai envie d'évacuer la question, c'est est-ce qu'on a besoin de faire ça? Oui, on a besoin de faire ça. Il y a un enjeu national sur la pratique du sport par le plus grand nombre. En ce qui nous concerne sur le sport, sur le développement maîtrisé des sports nature, nous mettons en place avec l'ensemble des acteurs une politique publique sur le sujet. Et donc c'est complètement légitime qu'on continue cet effort. Il faut continuer à accompagner le développement de la pratique des activités physiques et sportives pour le plus grand nombre, si on ne veut pas prendre de plein fouet le fléau qui nous frapperait d'un point de vue de la santé en cas d'inactivité de la population. Donc, continuons. En termes d'accompagnement, j'ai bientôt fini, Denis, je vois que tu regardes ta montre. Le choc de simplification, à mon avis, dans un premier temps, il va passer par un choc de complexification, parce qu'effectivement, qui dit modification de la règle du jeu va passer par comment est-ce qu'on l'accepte, comment est-ce qu'on l'intègre dans nos process, etc. Donc je pense que les mois qui viennent vont être un choc de complexification, mais en espérant que derrière ça aille un peu mieux. Je pense que notre prochaine action sur l'accompagnement des sports nature, c'est le fait de rapprocher les acteurs. J'ai entendu des acteurs qui ne se connaissaient pas. À l'échelon territorial, dans un département, une DDTM, une DDCS, un conseil départemental, un organisateur de manifestations sportives, etc., doivent se connaître, doivent se rencontrer. En se rencontrant, en parlant le même langage, à première vue, ça sera plus simple pour produire la prestation, entre guillemets, d'une manifestation sportive. C'est valable, bien entendu, au niveau régional. À ce titre-là, je vous rappelle juste que dans les directions régionales jeunesse et sport, comme dans les directions départementales, nous avons des collègues qui peuvent vous aider à rassembler le tour de table le plus opérationnel pour faire que tout ceci soit fait. Et au niveau national, bien sûr, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, en ce qui concerne le pôle ressources nationales des sports nature, sous la houlette du bureau B1, ici représenté par Sidonie, merci. B1, ouais, c'est du jargon jeunesse et sport, hein, mais c'est la direction des sports. Bien entendu qu'il nous faut entendre encore mieux les têtes de réseau. Donc, j'ai entendu tout à l'heure Anne-Marie au titre de l'ONF. J'ai bien entendu qu'il reste de notre responsabilité d'échanger avec le mouvement sportif, d'échanger de façon interministérielle. Et je vous remercie d'avoir assisté à l'ensemble des travaux toute la journée. Bien entendu, échanger avec les collectivités, avec les gestionnaires d'espace. Gaël, merci beaucoup d'être intervenu, mais je me tourne aussi vers ton voisin de droite. J'ai bien entendu l'appel du pied sur que peut faire Réserve Naturelle de France avec le réseau des sports nature. Charge à nous de faire quelque chose, mais en tout cas, j'espère bien qu'on y arrivera.